T'as écrit quoi, toi, si Hamlet est amoureux d'Ophélie? C'est clair qu'Hamlet l'aime pas et la traite comme un déchet. Un déchet? C'est assez clair, me semble. Il la traite d'impudier puis de fausse candide. Il dit... Attends, bouge pas. Tu l'as-tu eu, coudon? Va-t'en dans un couvent. Adieu. Ou si tu veux absolument te marier, épouse un imbécile. Car les hommes sensés savent trop bien quel monstre au fait d'eux. Allô, Hamlet, c'est un vrai moron. Mais quand il dit ça, tu penses pas qu'il parle de toutes les femmes? Pas juste d'Ophélie? C'est encore pire. C'est un misogyne. Puis il l'invite à retourner dans son couvent. Hamlet, il y a clairement quelque chose de pas normal. L'amour, ça intéresse pas ces enfants-là. Il est peut-être juste maladroit. Il est juste con. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'Hamlet aime Ophélie. Allô, c'est écrit noir sur blanc à la page 60. Je ne vous aimais pas. Hamlet, il l'a jamais aimé Ophélie. Il l'a juste niaisé comme un fucker. Attends, hein. Quand il dit ça, c'est pour la protéger. Il ment pas pour y faire de la peine. Il voudrait la protéger de quoi? De lui, de ce qu'il planifie. Il coupe les attaches pour venger son père, puis mourir après avoir tué son oncle Claudius et sa mère Gertrude. Quoi? Il tue pas sa mère? Il l'aime même trop pour ça. D'ailleurs, c'est pas Ophélie qui aime, c'est sa mère. Il a le syndrome d'Oedipe toute fuckée. J'ai écouté le film avec Mel Gibson puis Glenn Close, puis les deux, ils se croient sans bon sens. Super sain comme relation, vraiment. Tout tourne pour de l'amour non plus. Faut en venir.